L'implication a été très forte pour le parc Normandie-Maine, puisque nous sommes coordinateurs dans la partie technique, coordinateur administratif et coordinateur financier. C'est un projet qui est un projet d'ampleur avec la Commission européenne, puisque c'est un appel d'offres LIFE. Appel d'offres qui est fondamental pour préserver la biodiversité. On restaure cet habitat naturel, donc il y a beaucoup de travaux à conduire et nous sommes coordinateurs de tous ces travaux, évidemment en lien avec le département de la Mayenne et puis par ailleurs coordinateur administratif de façon à ce que nous conduisions les travaux de façon sérieuse et comme l'Europe souhaite que nous le fassions. Pour le département de la Mayenne, c'est effectivement un beau projet en partenariat avec le parc Normandie-Maine, puisque nous avons financé à hauteur de 250 000 euros, soit 9% du projet. Le département de la Mayenne a souhaité vraiment être engagé dans ce projet parce que la biodiversité est un des enjeux majeurs de notre territoire au niveau du Mont des Avaloirs, parce que ce sont des obligations, mais c'est aussi et surtout la transmission de toute cette biodiversité dans sa diversité. Et les Landes qui étaient originelles sur ce territoire ont besoin d'exister à nouveau. Ces évolutions étaient pour le bien de la biodiversité, donc c'était important que le département soit présent, que ce soit administrativement et politiquement au comité de pilotage, mais aussi que ce soit sur le terrain pour les habitants. L'état des lieux initial des Landes et des Tourbières était globalement assez dégradé, et ce qui nécessitait d'intervenir. On a travaillé en amont à la réalisation d'inventaires pour pouvoir mieux décrire les sources de dégradation, de savoir comment on pouvait travailler au cours des 5 ans du projet à les traiter. Et on refait ce même travail à la fin de comparaison pour pouvoir évaluer en tout cas l'effet significatif du projet sur l'état de conservation des oiseaux et l'état de conservation des milieux. Un espace naturel sensible, c'est une reconnaissance départementale. Ça permet de reconnaître un site qui a un intérêt patrimonial fort, soit pour sa biodiversité et ou pour son paysage. Pour la corniche de paille ou le Mont des Avaloirs par exemple, on cumule tout ça. Concernant l'acquisition foncière sur le site de la corniche de paille, le département y est investi depuis 1992 et puis depuis 2008, depuis la mise en place de la politique ENS, ça a permis d'acquérir progressivement les parcelles. Et dans le cadre du LIFE, du coup, on a vraiment accéléré l'acquisition. Alors pourquoi on acquiert ? L'acquisition est importante pour engager sur la durée la préservation du site, voire, et y compris là dans ce programme-là, la restauration du site, et puis après l'ouverture au public qui permet de sensibiliser au milieu, à la biodiversité qu'on a autour de soi. J'ai entendu dire que le parc se préoccupait de répertorier les zones humides et les mares. Et donc c'est moi qui les ai appelés pour leur dire que moi j'avais une zone humide. Voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé d'avoir des relations assez suivies parce qu'ils se sont intéressés tout de suite. Il y a en tout à peu près 12 hectares. Il y a 9 hectares de bois, un champ de 1 hectare 40 et puis une mare très importante. Et aussi dans le bois, une zone très humide avec feigne, osmonde royale, enfin un genre de tourbière. Sur les secteurs sur lesquels on a le moindre contrainte, on va plutôt travailler avec des machines plutôt lourdes pour aller rapidement travailler de manière efficace et gérer au mieux les coûts de restauration. Nous sommes intervenus avec une pelle sécateur pour éviter les impacts au sol. Nous sommes toujours en binôme avec un bûcheron qui devance et aussi regarde au sol s'il n'y a pas des zones à protéger ou des zones marquées. On a bien avancé, on a respecté toutes les consignes concernant la gestion du chantier, concernant les coupes, concernant tout ce qu'il y avait à protéger, les zones à conserver.
sur les sols les moins portants, les plus humides, on va plutôt travailler également avec de la traction animale, donc pour pouvoir évacuer les bois et les emmener sur un secteur beaucoup plus accessible et sur lequel les machines viendront prendre le relais. Ce bois pourra être ensuite, dans un dernier temps, broyé par une déchiqueteuse et valorisé en bois énergie, en plaquettes forestières. Sur cette zone en particulier, on a travaillé avec des étudiants du lycée Rochefeuille dans le cadre de leur examen d'abattage où ils sont venus réaliser des travaux. On a choisi plutôt une méthode de bûcheronnage sans machine, essentiellement parce que plusieurs patchs de bruyère étaient assez bien présents et sur lesquels on avait plutôt un intérêt de faire un bûcheronnage classique plutôt qu'un abattage avec des machines lourdes. On a plusieurs formats de travaux de décapage. On a du décapage superficiel. On va juste gratter superficiellement le sol pour favoriser l'expression de la banque de graines. Et le fait de pouvoir avoir une petite perturbation sur la surface du sol va activer la germination et relancer la dynamique de repousse de la bruyère. Sur des secteurs sur lesquels on a des menaces complémentaires, notamment la présence de la fougère aigle, on va travailler plutôt à supprimer cette menace par un retrait des premiers centimètres, des 15 à 20 premiers centimètres de sol, pour pouvoir enlever ces tiges souterraines de fougères et réactiver la banque de graines. On va avoir une dynamique plus lente qui va s'installer, notamment parce que les réserves en énergie sont beaucoup plus faibles dans ces sols et sur lequel on va plutôt avoir un pas de temps entre 5 et 10 ans pour avoir une jolie lande homogène, complètement fleurie de bruyère. La fauche exportation, ça consiste à venir couper la lande à ras le sol et puis à l'exporter, donc la retirer des sites. C'est vraiment en fait de venir rajeunir des landes qui vont être vieillissantes. On réalise nos opérations d'arrachage avec l'aide de l'association Études et Chantiers, qui est une association d'insertion professionnelle. Donc le but, c'est vraiment de venir retirer les petits semis d'arbres qui s'installent dans la lande au fur et à mesure du temps. Au cours du projet, c'est vrai que beaucoup de riverains, beaucoup d'habitants nous ont questionnés sur la place de la forêt sur le territoire, notamment parce que sur les zones de chantier, la forêt régressait. On a travaillé à la fois sur des outils classiques de communication. On a également organisé des réunions publiques qui avaient pour objectif de pouvoir répondre à leurs questions et leurs inquiétudes, ou également sur les prochaines étapes qui allaient arriver dans les mois suivants. On réalise aussi des animations chaque année à destination du grand public. Donc c'est très varié, ça passe par la présentation du projet Life à Valoir aux gens et puis répondre à leurs questions. Et également la présentation des espèces, donc venir découvrir par exemple l'engoulevent d'Europe la nuit. C'est aussi en ça que c'est important d'expliquer, parce qu'on est un peu choqué parfois, moi ça me l'a fait, quand j'ai vu la quantité d'arbres qu'ils ont abattus sur la corniche, par exemple, la terre qu'ils ont... Parce qu'il faut comprendre aussi, et c'est ça qu'ils l'ont bien expliqué, c'est que la fougère aigle, c'est un vrai problème. Je le vois chez moi. C'est très envahissant et ça finit par étouffer tout le reste. On met en place des projets pédagogiques avec les écoles de Pré-Empaille Saint-Sanson. L'objectif de ces projets, c'est vraiment de sensibiliser les élèves à l'importance des landes, à la faune qui les habite et également au fait que c'est important de les préserver.
Le premier projet pédagogique, il était à destination des élèves de collège. Donc on a travaillé avec une classe de 6e à la réalisation d'un jeu pédagogique sur la corniche de paille qui s'appelle Jean Plume le détective. Les élèves ont travaillé à la création du scénario de l'histoire du jeu. Et ensuite ce jeu a été mis sous forme d'une application mobile pour que justement qu'il soit accessible à tous en fait sur les téléphones portables avec une entreprise qui est spécialisée dans les escape games. Sur la deuxième année, le projet pédagogique, donc il était à destination des élèves de primaire. Ils ont eu plusieurs activités de sensibilisation donc à la langue et plusieurs projets en fonction des classes. On avait la création de contes et puis les élèves du CP au CE2 ont eu à charge la réalisation d'une fresque sur la thématique de la langue, donc aidée par un artiste peintre, Franck Huchet. Merci. On peut voir les premiers résultats du projet, notamment sur nos zones par exemple de décapage où on va avoir à la place de la fougère plein de petites bruyères qui vont germer, également des ajoncs. Donc on voit très bien notre végétation de lande en fait qui est en train de recoloniser petit à petit les sites. Il nous semblait important aussi de pouvoir évaluer l'impact des travaux sur la faune et la flore et la réponse effective des milieux et des espèces aux travaux. On a des actions spécifiques qui sont conduites sur certains groupes, notamment sur le gibier, parce que l'usage et la multifonctionnalité de l'écosystème nous semblait aussi important. Sur le reste des espèces, disons, on a d'autres suivis, notamment sur les insectes qui ont été conduits dans le cadre du projet et qui nous permettent de mesurer l'efficacité des travaux, notamment la recolonisation par des petites bêtes des zones de travaux. Et ce qu'on constate globalement, c'est que la réponse est assez rapide, qui nous permet d'observer beaucoup plus d'espèces qui sont spécialisées dans la vie au milieu de la lande plutôt que des espèces forestières qui ont tendance à régresser au cours des années. En fait, l'une des grandes missions d'un parc naturel régional, c'est l'information, la pédagogie, donner l'information au grand public. Moi, je considère que l'on ne préserve bien que ce que l'on comprend bien. Par ailleurs, nous avons aussi les Natura 2000 et la réserve naturelle régionale du Mont des Avaloirs qui vont nous permettre d'avoir des actions en continuité pour préserver la biodiversité locale. Le département de la Mayenne sera toujours partenaire du parc Normandie-Maine sur ce sujet, que ce soit pour la gestion, le suivi des parcelles, donc l'aspect technique, l'aspect continuité de la restauration, mais aussi pour l'aspect médiation territoire, avec toute la partie touristique qui va être mise en avant avec les différents sentiers de randonnée d'interprétation, mais aussi un côté transmission, ne jamais oublier que ce sont les enfants qui portent la parole de demain. Donc tout le travail qui a été fait avec le collège, avec les écoles locales, ce sera à pérenniser au niveau de nos animations de territoire.